Oui, bah c'était cette rencontre avec cette fameuse meute, hein. Je pense que ça, c'est un livre. Souvent, je suis pas très satisfait de mon travail et de mes ouvrages. Et Arctic, autant, c'est la première fois où je sens que je suis presque sur un objet abouti, en tout cas. Et en l'occurrence, oui, il y a eu cette scène juste incroyable avec cette meute de neuf loups, voilà, qui ont décidé de me retrouver. Ils ont vu ma tente au milieu de la banquise, et ça faisait quand même des mois que je les attendais. J'avais fait plusieurs expéditions là-bas sans les voir, juste leurs traces. Et puis ce fameux jour où la rencontre se fait, et j'ai vu des petits points jaunes au loin, et petit à petit ils sont arrivés vers moi. C'était juste hallucinant. Ils devaient probablement voir quelque chose de noir. Ma tente était posée comme un bœuf musqué, donc une proie pour eux. Donc de loin, c'était un peu leur vision, et ils ont fondu vers ça. Ils étaient vraiment en mode chasse. Ils sont venus en l'espace de 5 minutes, alors qu'ils étaient quand même très loin. Ils étaient les neuf autour de moi, m'ont cerclé. Donc ça, c'était quand même un moment, je pense, le moment le plus fort de toutes mes rencontres avec des animaux sauvages. Parce que je l'attendais depuis très longtemps. Les conditions étaient extrêmes, donc très haut en latitude, très froid. Il faisait moins 40, moins 45 degrés. Et une aventure comme je les aime, où je suis en solitaire, et puis de manière un peu. Donc il y a un engagement physique, avec tout ce qui en suit, c'est-à-dire l'angoisse, un peu la peur, ouais, l'appréhension, apprendre à se connaître, bien connaître tout son matériel. Donc tout était rassemblé. Et puis ce moment, voilà, totalement presque irréel, de voir cette meute de loups tourner autour de moi. Et là, je suis resté pendant un mois, et j'ai dû faire 2000 photos, mais uniquement de ce moment-là, quoi. Parce qu'après, plus rien. Après, tu es dans un désert de glace, et tu marches, et tu marches, tu tires ton traîneau, sans voir la moindre petite touche de vie, quoi. Ouais. Et là, c'était un des loups. Donc on voit bien que je suis à plat ventre, j'étais avec un 500 mm, donc là je suis vraiment dans une configuration très légère. Dans ma Poulka, c'est un petit traîneau, j'avais tout ce qu'il fallait, mon alimentation, ma réserve d'essence, le duvet, et puis trois objectifs, deux boîtiers, un de secours, trois objectifs, un 500, 80-200, un grand angle. Donc là c'était au 500, j'étais à plat ventre. Et c'est pas une charge, hein, c'est de la curiosité, quoi. Je pense qu'ils sont venus, au départ, c'était quand même dans le but de voir, déjà d'identifier cette masse, donc de chasser éventuellement. Et après, ils étaient surpris de voir un homme. On est quand même très haut, c'est des latitudes où ils croisent quasiment plus d'hommes. C'est extrêmement rare. Donc ils jouaient autour de moi, ils me testaient, ils s'approchaient. Certains me venaient par derrière quand j'étais à plat ventre, me tiraient le pantalon. Donc il fallait quand même leur montrer que j'étais en bonne santé, donc je me remettais en position verticale et je leur disais stop, là, on garde des limites. Et voilà, donc là c'est vraiment ça, c'est la charge du loup. Enfin la charge, c'est pas vraiment une charge, c'est il vient, il teste. Donc ça c'était quand même un des plus grands moments de ma vie de photographe naturaliste. Et ça aboutit avec, voilà, j'ai fait ce livre, j'adore ce tout suivre, hein. C'est ça qui me plaît dans ce métier. C'est en même temps, je me renseigne dans les livres, je lis énormément. C'est ce qui débute un voyage. Donc là, je rêvais de ces loups blancs. Donc j'apprends sur l'espèce, et puis après, je monte des expéditions et je fais mes photos. Et ce qui est génial, c'est qu'après, j'aime aussi faire les livres, choisir les papiers, la maquette. Tout pareil pour les tirages, et on est quand même à une époque où toutes les étapes, que ce soit de la recherche sur le lieu, jusqu'à la finalité de l'objet, que ce soit un print, une exposition, on peut tout suivre, et ça me plaît beaucoup. Ce côté un peu artisan. C'est pour cette raison que j'ai créé Kobalan. Kobalan, ça signifie l'ours en langage even, des nomades qui vivent en Sibérie, avec qui j'ai passé pas mal de temps. En Sibérie, au Kamchatka, et ça veut dire l'ours, et je trouvais ça, ce mot, très fort. Et c'est le nom de ma maison d'édition. Voilà, on est juste trois. Nous restons des artisans, et on aime tenter, en tout cas, de faire des objets
des objets, parce qu'un livre pour moi, ça, c'est d'une importance capitale. En tout cas, moi, ça a été très formateur et beaucoup de livres m'ont donné des envies, des rêves et pour lesquels parfois je suis allé jusqu'au bout. Et voilà, mais c'est vrai que le toucher est extrêmement important, le choix du papier. Il y a un rapport physique et c'est ça qui est génial avec l'objet du livre, ce qu'on a de moins en moins avec évidemment nos écrans. Et il ne faut pas le perdre. Moi, je trouve que c'est très important d'avoir une émotion à la lecture d'un livre. Vraiment. Même son odeur, son toucher. Alors, ça, je... Oui, c'est tout un cheminement, un chemin de fer, comme on dit. C'est compliqué. Après, je demande évidemment l'avis à mes collaborateurs. Mais là, pour Arctic, c'était assez simple. On partait du blanc, le plus immaculé. Vraiment, c'est une vision qu'on voit quand on marche là-haut. Et du blanc, petit à petit, on arrive sur des notes de couleur pour terminer sur le noir. Donc, il y avait un message pour montrer, malgré tout, que cette banquise est en train de fondre et l'océan Arctique devient non plus blanc, mais noir, vu du ciel. Donc, c'était ce message qui est un peu en filigrane au travers de ce livre. Moi, je pense qu'il y a un lien entre mes racines, là où j'ai grandi, donc ici, les Vosges, et puis ces expéditions. Je suis quand même assez fasciné par le froid, dès que les éléments se déchaînent aussi. Je sais que dès qu'il y a de la pluie, du vent, de la tempête, du blizzard, quand il est en plein hiver sur les crêtes, je suis dehors, quoi. J'aime. Et donc, j'ai un peu fait mes armes en dormant là-haut sur les crêtes et tenter toujours de photographier aussi les chamois dans la tempête. Et puis après, bien sûr, on a des envies un peu plus grandes et on se dit... une envie de sauvage, une envie de là où l'homme n'est pas trop présent. Et après, je répercute ça, parce que toute mon expérience que j'ai pu acquérir ici, là-haut. Mais tout se fait progressivement. Hein. Des Vosges, après vers la Laponie, de la Laponie un peu sur les pays de l'Est, et puis Sibérie jusqu'au Grand Nord canadien. Et puis ce qui me plaît aussi, c'est quand même ce chemin. Je crois que la photographie, elle est aussi un peu victime de ce mode un peu de surconsommation. Et on veut un peu enchaîner les voyages, enchaîner les belles images. Et je crois qu'il faut être attentif à savourer, à ralentir un peu et à tenter d'y aller par nous-mêmes. Je trouve que ça, c'est quand même une démarche qui est vraiment... Qui est belle et on est encore d'autant plus fiers, non pas de payer pour être très, de payer des affûts déjà tout prêts pour être tout de suite très efficace, mais à l'inverse, ne pas rechercher tout de suite la belle image et puis et étudier, créer le chemin pour accéder à ton rêve et éventuellement une belle image. C'est un projet que j'ai depuis 2-3 ans et j'ai la chance d'habiter quand même dans une ferme un peu isolée avec une multitude d'oiseaux et ça fait quelques années, j'ai replanté des arbres, j'ai fait créer des murs, des murets, une mare, et j'ai pu voir que la biodiversité, enfin c'est un mot un peu galvaudé maintenant, mais c'est-à-dire que la diversité animale et végétale a augmenté grâce à tout ça, et je me régale avec mes petites mésanges, et en effet, ce gros chêne en plus, c'est un chêne qui est là depuis qu'il y a 200 ans, peut-être même plus, 300 ans, qui est sénescent, on voit qu'il est en train de mourir, et sur le sommet, donc dans le houppier de ce chêne, c'est hallucinant le nombre d'espèces d'oiseaux que j'ai pu voir se poser. Quoi. C'est tout le long de l'année, c'est incroyable. Il y a une vingtaine d'espèces différentes. Donc ça, j'ai envie en effet de le photographier. Et je prends plaisir à observer tout ça. Depuis mon affût, ouais, j'ai cet affût qui est à l'angle de la forêt et je me mets dedans. J'ai un fond qui est très lointain, très beau, ce qui permet de faire ressortir tous mes acteurs, entre guillemets, qui viennent s'y poser. Avec des beaux jeux de lumière. C'est un peu le paradoxe dans mon métier où je donne envie aux gens de faire un peu la même chose, d'aller voir les mêmes espèces. Alors ce qui peut être très bien parce que ça peut aider à développer un écotourisme un peu responsable. Mais en même temps, j'ai vraiment envie de porter ce message, d'y aller un peu par soi-même et puis d'essayer d'être sur le terrain. Et là, je vais reparler du Tibet, c'est pareil. C'était fabuleux au Tibet, c'était 8 voyages. Mais tout s'est fait progressivement et puis seul, en découvrant les canyons avec toutes les difficultés que j'ai pu avoir avec la police chinoise, avec toutes ces... Parce que c'est, au niveau géopolitique, c'est assez compliqué là-bas. Mais en dehors de ça, mais de petit à petit, de lire le paysage, regarder les cartes, et puis ce chemin, il est juste extraordinaire, quoi. Et non pas juste prendre un guide
et se dire, ben voilà, en 2 semaines, la panthère est garantie. Et ça, c'était tout un cheminement qui m'a vraiment plu. C'était compliqué, un peu laborieux. Hein. J'ai fait quand même 4 voyages sans la voir, en voyant que des traces. Et c'était peut-être même plus compliqué que l'Arctique. Parce que là-haut, on n'est pas en train de tirer sa poulka sur le plat, sur la banquise. On est obligé de tout porter, quoi. Il n'y a pas de neige et puis ça monte. Et donc on est obligé de tout porter en sac à dos. Donc ma technique, c'est vraiment d'avoir un camp de base avec un traducteur, un Tibétain, avec qui j'ai l'habitude de travailler dans le fond des vallées, pas loin de l'eau, pour avoir de... C'est mon camp de base et après je rayonne, donc il me faut tout ce qu'il faut dans le sac à dos pour rester 2 jours, 3 jours, si je veux découvrir une autre vallée. Et là c'est un peu compliqué parce que c'est lourd, c'est des sacs de 35-40 kg. Parce que bien sûr il faut un 800 mm ou un 600 mm, un trépied vidéo, et puis couchage, de l'eau parce qu'il n'y a pas de l'eau partout. Donc tout de suite ça c'était ce qui était le plus éprouvant, et la poussière et les vents. Mais tout ça pour après découvrir des animaux qui vivent dans ces milieux, pour nous, qui sont très hostiles et qui sont juste fascinants. Lui aussi, c'était quand même le yak sauvage, une espèce qui m'a vraiment... qui m'a donné envie d'aller là-bas. À l'image du bœuf musqué en Arctique, là, lui, il est... j'ai appelé ce livre « Tibet minéral animal », mais c'est ça, c'est un rocher, c'est un roc, et il est là depuis des millénaires, quoi. C'est, comme le dit Sylvain Tesson, ce sont un peu des totems de l'âge de la préhistoire. Et donc pareil, essayer de les mettre en avant. On connaît le yak domestique, il y en a des millions, mais le yak sauvage, ils sont apparemment entre 10 et 15 000, c'est rien du tout. Ils sont confinés en haut des montagnes, là où il n'y a plus trop de pâturage des Chinois. Voilà. Et jusqu'à ces rencontres avec la panthère des neiges, cette fameuse panthère qui, une fois de plus, me fait rêver depuis tout gamin, après avoir lu les récits de George Schaller, un biologiste américain, qui a été soi-disant le premier à la photographier dans les années 70, dans la vallée du Chitral au Pakistan. Et donc, ma première, c'était toujours un grand moment. C'était assez fascinant parce que c'est en suivant ces traces, des traces toutes fraîches dans la neige, d'un coup, plus rien, il y avait une barre rocheuse, elle était partie. Je dis bon, c'est mort. Et finalement, j'entends un grand corbeau qui croise au loin. J'ai dit, ah, souvent, il y a un lien entre le grand corbeau et la présence d'un prédateur. Donc je dis, j'étais pas tout seul, j'étais avec un ami, Jean-Marie. Je dis, écoute, on va rester là, on va se mettre à l'affût. On se met à l'affût pendant 2-3 heures dans une grotte. Et changement de temps, il faisait beau et d'un coup, le vent se lève. Et souvent, il y a des mouvements dans les animaux quand le temps change. Et on scrutait un peu partout. Et j'étais là avec mes jumelles. Mais comme dans un film, quoi. Et je voyais, j'ai vu une entrée de champ de la bête. Et là, la panthère qui arrive. Donc là, t'as l'impression de rêver, quoi. Tu dis non. Alors que ça faisait des mois qu'on attendait, quoi. C'était un travail de plusieurs années. Et ça, c'était quand même une vision qui me restera tout jamais, évidemment, gravée. Et là, on saute pas tout de suite sur l'appareil photo, t'es complètement transi, quoi. Tu te dis, mais c'est pas vrai. Rêve ou réalité. Et ça, c'était un magnifique moment. J'avais déjà fait des films auparavant avec Laurent Geoffrion, un ami qui m'avait filmé en Laponie. On avait fait après sur les loups d'Abyssinie. Et puis ça me plaisait plus trop de toujours être filmé en permanence. Et là, je voulais quand même clôturer... ce projet Tibet avec un film, parce que j'ai beaucoup tourné avec nos boîtiers Nikon, et je me suis dit, j'aimerais bien faire quand même quelque chose d'abouti, et pas juste moi, et Sylvain m'avait évoqué son envie de venir avec moi. Donc j'y ai convié en me disant, c'est magnifique, quoi, on va tout clôturer, j'adore, encore une fois, avec Kobalan, de faire ces objets différents, un peu multimédia, exposition, la livre, film, c'était parfait, et Sylvain était prêt à faire les textes dans mon livre photo. Et de se laisser filmer par Marie, que j'ai invitée, la réalisatrice, et qui nous a filmé, qui a filmé finalement l'échange entre lui et moi. Donc, et on a pu, au travers de ce film, y apporter la poésie de mes images, de tout ce que j'avais filmé ces années durant, et cet échange entre un photographe qui connaît le coin et un écrivain qui veut découvrir la technique de l'affût, qui lui connaissait ces endroits, pour les avoir traversés, mais sans jamais avoir vu
d'animaux sauvages. Donc c'était intéressant de voir un peu notre échange, tout en mariant voilà, un peu l'esthétique des images. Et puis Sylvain a ce talent fou de trouver le mot juste et à chaque fois de pouvoir exprimer tout ce que nous on ressent et qu'on a du mal à dire. Bon, en tout cas, moi je le dis avec mes images. Et donc la complémentarité était là, quoi, la complicité aussi, parce qu'on s'est bien entendu sur le terrain. Donc voilà. Ça, c'est le talent incroyable de la Panthère des Neiges. Je pense que c'est la reine du camouflage. Et c'est ça qui est un peu, des fois, fatigant. Et c'est pour ça qu'il faut être un peu possédé, un peu fou. Il faut y croire tout le temps, parce que tu peux rester pendant des jours et des jours à tout scruter, à la longue vue. Ensuite, à la jumelle, tu passes 8 heures de ta journée, les yeux rivés à la jumelle, pour regarder la moindre trace, éventuellement, d'un bout de queue de panthère. Et elle te voit, toi, tu la vois pas, quoi. C'est la reine du camouflage. Et là, c'était un exemple flagrant. Dans un canyon où j'avais aperçu une panthère très tôt le matin, et puis je la vois passer, aller dans un gros amphithéâtre de roches. Et donc je vais la voir, je me dis, je vais la retrouver. Je suis resté du matin jusqu'au soir, rien, je la voyais pas. Je suis resté du matin jusqu'au soir et je la voyais pas du tout. Elle avait complètement disparu, elle s'était vraiment fondue dans la roche. Et à un moment de la journée, je vois un faucon qui se pose. Je décale mon 800 mm tout doucement, je fais cette photo de faucon. Et puis c'est tout, la nuit arrive, on retourne à la tente. Elle nous avait eu, je ne l'avais pas revue. Et c'est juste ces 3 mois après, en faisant l'éditing du livre pour Tibet Minéral Animal, j'étais ici, en ligne avec Marine, ma collaboratrice. Et je lui dis non, je ne revenais pas, j'avais les poils qui se dressaient. En fait, j'ai vu seulement après que la panthère était juste derrière, le long du contour de la roche, là, et elle m'observait finalement. Ce qui est quand même complètement fou. Parce que c'est juste un détail, j'ai fait juste un détail de la roche où il faut qu'on vienne se poser, et je ne l'ai pas vu, quoi. Donc c'est génial de voir à quel point on se fait avoir en permanence. Là, c'est aussi notre monteur qui a eu cette bonne idée de mettre cette image dans le film, au milieu du film, parce que bien sûr, on voit la panthère qu'à la fin. Et on était surpris de voir que finalement, très peu de gens la voyaient, quoi. C'est incroyable. Là, c'est pareil. Elle a ce côté minéral, elle est pierre. Encore plus là où elle a une forme, une attitude un peu de statue. Donc, elle fait corps avec la roche, quoi. C'est ça qui est intéressant, je trouve, de se lancer des défis sur des espèces un peu mythiques et puis un petit peu difficiles. Et tout le long de ce voyage, finalement, tu rencontres plein d'espèces qui sont juste hallucinantes. Là, le chamanoul, il y a ces fameuses antilopes du Tibet. C'est pas juste la panthère, quoi. C'est toute une multitude d'animaux adaptés à ce milieu incroyable qui est les hauts plateaux du Tibet, quoi. Ça, moi, j'arrête pas de le prôner, parce que souvent, je suis tiraillé à l'idée de partir ou de rester. Mais rien que chez nous, ici, moi, j'ai des émotions qui sont très fortes, et ça me plaît beaucoup de continuer à faire ce que je fais depuis le début, finalement, de m'émerveiller devant des choses qui paraissent toutes ordinaires et qui peuvent être finalement extraordinaires. Comme ces cerfs, comme ce chamois, c'est marrant, je reste... Un peu le gamin que j'étais avant, quoi, de m'émerveiller devant des choses qui paraissent toutes simples. Et ça, pour moi, c'est important. Et je pense que c'est grâce à mon père qui m'a vraiment amené dans ces lieux, tout en montrant leur caractère, pas sacré, parce qu'on ne va pas repartir, mais presque sacré. Mais en tout cas, il m'a vraiment inculqué le fait qu'on n'entre pas chez nous, que même près de chez, dans la forêt à côté, eh ben, il y a tout un équilibre qui s'est quand même créé avec toutes ces espèces qui y vivent. Et quand on y arrive, on peut le perturber. Donc on arrive vraiment sur la pointe des pieds. Et c'est un peu la technique du photographe animalier, c'est d'être le plus discret possible. Et moi, j'aime beaucoup l'affût parce que justement, un peu à l'image de la panthère, mais pareil pour ici le lynx, c'est que tu restes posé et puis tu observes. Et je pense que c'est une philosophie qu'on a un peu, enfin pas une philosophie, hein, une manière de faire quand on est dans la nature, qu'on a un peu oublié.
le fait de s'arrêter et puis d'observer des choses toutes simples autour de nous. Et donc voilà, et après on a des rencontres qui sont juste, qui peuvent être vraiment merveilleuses, comme le chamois qu'on a eu, ça peut être aussi des cerfs, ça peut être juste une petite mésange en train de voler et qui ouvre ses ailes au bon moment avec une lumière complètement hallucinante dans un milieu qui est le sien. Ça j'aime beaucoup, tenter de mettre en avant l'animal, mais dans son milieu avec une petite lumière, un contre-jour qui vient la révéler. Ouais. En ce moment, il y a les pigrièges qui sortent du nid. Donc c'est un oiseau, c'est pareil. C'est toujours des petits moments. Toute l'année, finalement, il y a des moments très forts, des rendez-vous, quoi. Et là, c'est la pigrièche. C'est quand elle revient d'Afrique, c'est quand même génial qu'un petit oiseau de quelques grammes, moi je trouve ça quand même hallucinant, traverse la Méditerranée, va jusqu'au Sénégal en hiver, et au mois d'avril-mai, elle refait le chemin inverse, elle retrouve le même buisson ici, sans GPS, sans rien, c'est quand même des choses qui sont complètement folles, quoi. Et moi, ça me fascine. Et quand elles arrivent, quand elles reviennent de migration, ça me fait un bien fou. Parce que là, voilà, j'ai envie de leur dire bravo, quoi. C'est eux, vraiment, les héros, vraiment. Et là, de les faire en photo, là, je suis ravi, la nichée a abouti. On voit quatre petits qui se baladent et des échanges de proies entre les parents et les jeunes. Je me régale. oui, bah là, j'ai parlé de la pigrièche, hein, pareil, des hirondelles. Hein. C'est encore une fois, c'est parfois un peu ce qui me... Ouais, c'est ce qui me chagrine, mais là, je vais peut-être pas être noir, mais c'est vrai que c'est quand même des oiseaux qui sont en pleine diminution, quoi. Je pense que, en tout cas, le fait de respecter les êtres vivants, ça fait pas de mal pour aussi respecter nos voilà, nos congénères, quoi. J'ai cette sensation-là, en tout cas. Mais il me semble, en tout cas, le fait d'être dehors et d'être curieux de tout, et puis de se sentir aussi, moi j'aime bien ça, me sentir un peu fragile et de se sentir un peu proie, ça je le dis souvent, mais avec les grands prédateurs, ours ou lynx, qui reviennent en France, même si on a beaucoup de difficultés à les accepter. Et je trouve que ça fait vraiment beaucoup de bien à la nature humaine de sentir que finalement il y a d'autres super prédateurs et que finalement on n'est pas les centres, on n'est pas vraiment les seuls en haut de la chaîne alimentaire. Et ça nous renvoie un sentiment un peu d'humilité. Hein. Je trouve que ça c'est vraiment important. Et pour après un peu plus respecter tous les autres, parce que le gros malaise je trouve actuel. Il me semble que le gros malaise actuel, c'est qu'il y a une certaine cécité dans notre espèce. On a comme des œillères et on va droit devant et on est vraiment... ce sont les chiffres et l'économie avant la vie finalement. Et c'est ça que moi j'ai envie de, par mes photos et par peut-être un peu mon discours, de ralentir, de ne plus être pris dans cette spirale qui nous a amené là où on est né finalement, où il n'y a plus de respect envers les autres êtres vivants et on a perdu ce lien, quoi. Et alors que tout est lié. Et protéger finalement un crapaud ou n'importe quoi, c'est presque se protéger nous-mêmes. Ça paraît tout à fait naïf, mais c'est une réalité. Et ça me fait beaucoup de mal quand je vois beaucoup d'espèces chez nous qui sont en train de chuter intégralement et que ça devient presque une banalité pour nous, alors que non, on devrait s'en effrayer. Parce que ça, plus il y a une diversité à tout niveau, végétal, animal, et plus on sera fort pour n'importe quelle attaque, que ce soit des virus, que ce soit... Et ça se voit. Ça se voit dans le végétal, où tu as parfois des... Comme ici, dans les Vosges, parfois, on a vraiment des forêts de production. Des forêts de production où tu as des arbres qui sont très calibrés, et où tu n'as plus rien à photographier, c'est un désert. Et quand arrive un virus, tout le monde est complètement... la forêt est morte, il n'y a plus rien. Donc c'est quand même fou, moi j'aurais envie de montrer ça, de montrer que de se nourrir de cette beauté à tout niveau, parce que cette beauté visuelle, tout aussi sonore, olfactive, c'est tellement important. Il faut se nourrir de cet émerveillement, à mon avis c'est une nourriture vitale pour tout le monde, même si inconsciemment certains ne se rendent pas compte. Et ne pas être aussi dans le déni, ne pas montrer que le beau, moi c'est ce que je fais quand même, donc ça ne fait pas de mal. Et ne pas être dans le déni et voir que quand même
Il se passe des choses et il serait temps qu'on réagisse vraiment pour préserver encore tout ça, toute cette beauté qui est en train de se réduire. Et moi, je le vois en l'espace de 30 ans ici, comme il m'est difficile de trouver désormais des endroits où l'équilibre est là, où on a respecté, où l'homme n'a pas tout perturbé. Moi, je pense que mon rôle, c'est d'alerter un peu dans mon discours. Ouais, mon rôle, c'est quand même, je sais pas si j'ai un rôle, mais c'est d'alerter un petit peu par mon discours, mais aussi de faire du bien et d'apaiser en montrant la beauté, parce que je pense qu'on en a vraiment tous besoin.